nous accompagnons GRT Gaz, Storengie, pour célébrer le travail qui est engagé, récompenser les entreprises, les acteurs des entreprises, hein, les femmes et les hommes, qui permettent effectivement à toutes ces actions de se mettre en place au quotidien. Mais on doit forcément être ensemble pour traiter ces questions de la sécurité. D'une part parce que ce sont des résultats collectifs qu'on vit, c'est la sécurité pour nos employés, mais également pour les salariés des entreprises qui travaillent pour notre compte. C'est à la fois important de leur montrer par cette récompense l'importance que ça a pour nous, mais aussi de s'inspirer de tous ces dispositifs. On utilise les outils que nous fournit l'OPPVTP. C'est des outils qui nous permettent d'améliorer la prévention dans nos accueils, dans nos causeries, dans l'animation qu'on fait au quotidien sur chantier. On a pu voir différentes actions menées par différentes entreprises au niveau de la sécurité, qui nous paraissent très pertinentes et sur lesquelles d'ailleurs on va d'ailleurs s'intéresser. Le marqueur de cette édition, c'est clairement l'élargissement à de nouveaux partenaires et l'OPPBTP qui nous accompagne sur ces questions de prévention. Il est très important pour nous, bien sûr, de prévenir toutes les agressions externes. Pour nous, la sécurité, l'intégrité sont aussi une priorité. Parce que la sécurité, ce n'est pas l'affaire du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, c'est l'affaire de l'ensemble de la chaîne. Et en 2024, on se donne tous rendez-vous avec nos partenaires et nos prestataires.